De cet après-midi, mais bon, je vais mettre mes petites claquettes parce que comme là on va juste se promener, donc je vais juste rester en haut bas. Voilà, donc c'est comme ça que je serai habillée pour tout à l'heure pour ma formation. Donc voilà, et voilà mon make-up du coup, parce que vous voyez maintenant mon make-up. Franchement, je fais des full make-up, mais on n'aurait pas dit, genre c'est simple, net. Donc j'aime bien, c'est pas trop extravagant. Voilà. Donc j'ai pas dit hein, mais la veste c'est H&M, Primark et le bas Primark. Les chaussures, je sais pas, mais voilà. Voilà. Donc j'avais oublié de dire, mais maintenant vous savez. Bon, finalement j'ai fait une queue de cheval. Je trouve que c'est plus joli et comme je fais pratiquement jamais de queue de cheval, je me suis dit pourquoi pas changer. Donc j'ai fait une queue de cheval finalement. C'est joli. Alors on est dans un marché actuel, ma maman, tu as un commentaire à faire? Il y a un peu un beau choix midi, par contre, voilà. D'accord, regardez, hein? J'ai une chaîne YouTube, donc vous pourrez regarder. Ah d'accord, ok, merci, ah, je ne savais pas ça, je ne savais pas. Mais t'inquiète, je vais vous couper. Voilà, donc voilà, on est dans un marché et on regarde des vêtements. Il y a de très beaux fruits, hein. Je ne sais pas si vous avez vu avant, il y a de très beaux fruits, ils sont super beaux. Bon, je suis rentrée à l'hôtel, du coup je vais vous faire un petit haul. Du coup j'ai acheté 3 vestes parce qu'elles étaient super belles. Et je vais retourner à Zara pour prendre ma robe parce qu'elle est trop... Elle est trop belle. Pour ceux qui ont vu l'autre précédent épisode, vous savez de quoi je parle.
Donc j'ai pris cette veste marron. Franchement, les prix sont abordables. Elle valait 149 euros et elle est revenue à 20 euros. Tu vois, il n'allait pas la prendre. Mais en fait, ce sont des fins de série. Et en fait, à Cannes, il y a un petit marché, tu vois, toutes les fins de série de marque. En fait, ils les mettent. Ils les mettent. Puis du coup, voilà. Donc voilà la première veste. C'est pas ma préférée, mais elle est très jolie. Donc voilà. Ensuite, maman. Bref, maman toujours dans les bleus. Franchement, elle aime être dans les bleus. Ensuite, je vais pas la meilleure tout de suite. Hein. Ensuite, il y a celle-là, un sorte de beige. Enfin, une sorte de crème en vrai. Blanc crème, si vous voulez, je sais pas. Je suis pas spécialiste dans les couleurs à ce niveau-là. Donc voilà, elle est super stylée. Donc pour mes meetings, je peux bien y être. Donc voilà. Bref. Et la dernière, qui est très 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 jolie, c'est ma préférée. Elle est... Ceux qui me connaissent, si je fais ça, c'est que... Elle est vraiment belle. Déjà, elle sort du commun parce qu'elle est rose et blanche. Donc déjà, j'aime l'originalité. Donc, vous connaissez les bails? Déjà, regardez. J'aime bien. Et puis après... Il y a une ceinture. Bon, attendez. Hein. Bon, je fais mal le nœud. Mais vous captez l'ambiance. Et je mettrai avec un pantalon blanc. Au départ, je voulais la mettre avec mon pantalon blanc pour demain. Mais le problème, le suivant, c'est que j'ai pas de fond blanc comme j'ai là. Voilà, ma veste. Elle arrive en dessous de mes fesses. Donc, c'est très bien pour les petits vicieux. Voilà, donc je l'ai mis. C'est ma préférée. Mais quand vous verrez un outil avec, ben je pense que ce sera mieux parce que là, c'est juste... J'ai juste mise. Quand je suis très fière de mes achats et puis ma mère achète des fruits qu'on puisse manger et tout. Voilà. Mais les fraises sont super belles. Elles sont grosses en plus. Attendez, je vais vous montrer. C'est bien connu. Regardez les fraises. Regardez. Elles sont vraiment bonnes. Je vous conseille fortement. Et waouh, c'est super bon. Au top. Bon, là je vais maquiller ma maman parce qu'on a une formation. Moi je vais mettre ma veste et mes talons. Voilà. Vous verrez sûrement des photos, je vais essayer de faire des photos. Et voilà. À tout à l'heure. Je suis arrivée à l'événement. Je sais pas si vous m'entendez, mais le top m'entendait. Voilà, l'événement dans lequel je suis invitée et qui m'a permis d'aller à Cannes. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se passe. Je sais pas. Ce soir c'est beach party, donc j'ai juste mis en tenue rouge et blanc, donc j'ai mis mon petit haut comme ça avec la jupe et voilà, et je mets une petite veste blanche aussi au cas où. Donc voilà, et puis je vais mettre mes claquettes parce que bon, on sera dans le sable et tout, il y aura un défilé, il y aura des danseurs de feu ou je sais pas, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, je sais plus, mais vous allez voir. Donc voilà, je vais juste mettre du rouge à lèvres rouge et voilà. Donc on arrive à la beach party, donc voilà, tu as quelque chose à dire maman? Oui, donc nous sommes arrivés à la beach party, Cannes Forever, sur la plage, donc il y a beaucoup de monde, du rouge et blanc, c'était le dress code, c'est le dress code plutôt je dis, une belle ambiance des buts. D'accord. Nous allons passer une excellente soirée. Merci pour vos commentaires, c'est tout? D'accord. Yes, venez nous rejoindre à Cannes. Oui, maman, allez.